Le 14 janvier 2014, le Conseil des ministres a adopté une communication portant développement de l'éducation entrepreneuriale dans le système éducatif ivoirien, manifestant ainsi sa volonté de s'attaquer à la problématique de l'employabilité des jeunes diplômés. À travers la mise en œuvre de l'éducation entrepreneuriale, il s'agit d'apprendre aux élèves à être plus autonomes, responsables, actifs, ingénieux et critiques en vue de leur permettre de s'adapter au marché du travail. Nous sommes aujourd'hui au lycée international Descartes de Macquarie. Alors, bienvenue dans Ma Nouvelle École. Au sommaire de cette émission, la première édition du Forum national de l'éducation entrepreneuriale. Les élèves exposent leur savoir-faire. Le programme d'éducation ciblée, une nouvelle approche pour améliorer le niveau des enfants du primaire. Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de l'année de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Je ne serai donc la commencée sans vous souhaiter à tous une très 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 bonne et heureuse année 2019. Le premier forum national de l'éducation nationale sur l'entrepreneuriat s'est déroulé les 10 et 11 janvier dernier au lycée technique d'Abidjan-Cocody autour du thème « L'éducation entrepreneuriale, processus transformant pour une école de qualité ». Organisé par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, dans l'objectif de permettre aux élèves de présenter des projets aussi novateurs qu'aux régionaux. Et ces projets n'ont pas manqué d'attiser la curiosité. Nous sommes dans l'un de ces laboratoires où l'on fabrique ce que vous verrez dans le reportage. Au fil des stands, allons à la découverte de l'esprit entrepreneurial de nos enfants. Attention, talent. L'entrepreneuriat à l'école contribue à préparer l'insertion socio-professionnelle des élèves. Le premier forum de l'éducation entrepreneuriale a permis à nombreux de ces élèves de faire montre de leurs talents dans tout le domaine de l'innovation numérique que celui de la transformation agricole. Dans le domaine du numérique, notre série de découvertes commence avec les élèves du lycée Djedji Amondji d'Ayamé, une commune populaire d'Abidjan. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur notre chaîne. Notre projet a été créé en vue de lutter contre la violence en milieu scolaire. Nous croyons que notre sensibilisation a porté ses fruits car l'année dernière, pour le premier trimestre, nous avions perdu 14 jours de cours et 8 demi-journées. Et cette année, nous n'avons perdu que 2 jours de cours et 1 demi-journée. Alors nous croyons que notre projet a porté ses fruits. Au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de la Web TV, nous avons commencé à développer l'éloquence avec les professeurs de français. Et les enfants savent se tenir désormais. Et surtout, les enfants commencent à embrasser le métier de communication. Puis, c'est au tour des élèves du lycée Jeune Fille des Boisquets de nous présenter le projet numérique de l'équipe élèves expertes visant à coacher leurs camarades filles enceintes ou ayant des moyennes en dessous des 10,50. Notre projet intitulé 3E, c'est-à-dire équipe des élèves expertes, a pour but d'éradiquer l'exclusion scolaire. Notre projet vise à aider les filles enceintes et les filles ayant obtenu une moyenne trimestrielle inférieure à 8,50. Pour les filles enceintes, nous nous déplaçons chez elles à la maison pour copier les cours, leur expliquer comment le cours s'est passé, comment faire les topos pour pouvoir retourner en classe plus facilement et mieux se rattraper au second trimestre. Un peu plus loin, les élèves du lycée moderne d'Abobo, quant à eux, sont venus présenter leur projet d'impression de billetterie. Le leader nous en dit plus. Après l'inscription en ligne sur la plateforme DSPS, l'élève doit valider son inscription en payant les frais annexes à l'intendance pour avoir accès à son billet d'entrée. Donc, si c'est fait, je vais montrer un peu de démonstration sur le site. Si l'élève vient sur le site du lycée moderne d'Abobo, l'élève vient sur entrée, billet d'entrée. Et l'élève va renseigner rapidement son numéro matricule. Et directement, lorsque l'élève clique sur afficher, l'élève va avoir directement son billet d'entrée.
Le forum, c'est aussi et surtout la mise en valeur de l'ingéniosité de nos enfants dans la fabrication et la transformation de plusieurs produits. Les jeunes filles du lycée Sainte-Marie de Cocody ont développé un savoir-faire impressionnant dans le domaine de l'art ménager. Bienvenue à la maison d'art ménager du lycée Sainte-Marie. Dans notre maison, nous faisons de la couture. Ici, nous avons des sets de table. Et là, il s'agit de la table à manger. Comme vous pouvez le voir, nous essayons de valoriser le palm. Ici, il s'agit d'un tissu. La finition était faite à la main. Et nous avons pris un morceau de palm, découpé les motifs du palm et brodé sur le tissu. Là, il s'agit de descendre de lit pour orner le lit. Et là, c'est la tête d'oreiller qui va avec. Comme vous pouvez le voir, c'est un travail très minutieux. Donc on commence au début de l'année, il se termine à la fin de l'année par exemple. Les élèves du lycée planteur Barry Kalebo d'Akoupé, eux, sont venus présenter le résultat du projet avicole entrepris au sein de leur établissement. Ils nourrissent des idées d'insertion post-baccalauréat. Nous présentons un projet qui s'appelle l'élevage de poulets déchets, un projet avicole qui consiste à la production de poulets déchets en 45 jours. Avant les 45 jours, nous le vendons à 2500. Mais après les 45 jours, comme leur durée de vie est de 3 mois maximum, donc nous pouvons les vendre à 3000. Mais pour augmenter, pour que les poulets se vendent plus facilement, nous les vendrons à 2500. Nous gagnons beaucoup de bénéfices dessus. Et il ne faut pas attendre le bac avant de trouver du travail, car si on a le bac, quand on n'a pas de travail, au moins on peut se focaliser sur ça. Chaque année, nous produisons du poulet et dont la vente nous aide d'abord pour alimenter la cantine de l'établissement et ensuite, avec le produit de la vente, le COGES, qui est notre partenaire, aide également au niveau de la pédagogie, aide à l'enseignement. Les élèves du lycée des Cadres de Macori ont présenté plusieurs projets aussi bien dans le numérique que dans l'agro-pastoral et la cuisine. À l'école là-bas, nous avons le même système scolaire que tous les élèves ivoiriens. Mais seulement nous avons un coup d'entrepreneuriat. Ici, on fait la pâtisserie. Nous sommes nombreux qui sont seulement secondes. Ce n'est pas forcément tout le monde qui va sortir de l'université qui aura du travail. Là, nous pouvons aller dans les autres, nous pouvons aller en pâtisserie, en boulangerie pour pouvoir promouvoir. D'ici là, on peut avoir un boulot. C'est pour plus nous enrichir, quoi. Excusez-moi, nous avons un stand ici qui présente les jus, des cocktails et des cacao. Vous pouvez déguster en plus. Le jus, il est très bien fait et très bien fait par nous. N'est-ce pas bon? Oui, c'est bien. Ok, merci monsieur. C'est vous-même qui l'avez fabriqué? Oui, c'est nous. Très bien. Vous pouvez vous approcher, voici le jus, les fèves, okay. Le cacao. Et le cacao aussi est un anti-stress, il est très bon pour la santé. Je viens de goûter tout de suite au gingurma, à la menthe, au cacao. Ben, je dis que c'est vraiment formidable pour des jeunes gens. Et là, je leur tire mon chapeau. Au regard de ces potentialités développées par tous ces élèves, se pose la question de la compatibilité au sein des établissements, des cours avec l'exercice des activités entrepreneuriales. Pour lever nos doutes, rendez-vous a été pris au sein du lycée des Cadres pour mieux comprendre comment cela s'organise. À notre arrivée au sein de l'établissement, nous retrouvons nos exposants dans leur labo de fabrication de chocolat et de cocktails de gingembre. Sur place, ils bénéficient de l'encadrement d'un expert chimiste dans la transformation. Ce dernier nous situe sur les contours du travail de transformation des élèves. Prenez du temps à écraser. Faites la pâte afin qu'au niveau du bain-marie, on puisse avoir quand même un bon mélange entre le cacao et le sucre. Nous prenons des enfants dans le cadre du projet entrepreneuriat. Alors, en général, ce sont des cours qui sont donnés à des enfants un peu partout. Et on remarque qu'il n'y a que la théorie. On a essayé de faire en sorte qu'à part la théorie, on les prenne de façon pratique. La première idée, c'est de transformer le cacao. Dans ce cas, nous avons permis aux enfants de prendre des cours théoriques sur la manière de transformer le cacao en chocolat, en industrie, mais déjà leur montrer également de façon basique, avec les moyens de bord, comment est-ce que ce cacao peut être transformé pour avoir du chocolat, ne serait-ce que artisanal. À part le chocolat, nous faisons aussi d'autres produits comme le cocktail que vous avez vu. Ici aussi, c'est toujours dans le même cadre de la transformation de tout ce qui est produit alimentaire. Le décor planté,
Les élèves nous immergent dans les différentes étapes qui prévalent dans la fabrication de leur chocolat. Pour produire le chocolat, c'est très simple. D'abord, nous recevons les fèves de cacao séchées et triées. Ensuite, nous les passons à la torréfaction, c'est-à-dire que nous grillons les fèves. Après la torréfaction, nous passons au dépelliculage sur le plateau de dépelliculage avec notre équipe. Ici, le dépelliculage se fait entièrement à la main. Nous devons enlever la peau du cacao et la transmettre à nos camarades de telle sorte qu'ils la trient encore une fois pour enlever les débris qui sont encore à l'intérieur. Et à la fin de cette partie-là, nous irons au concassage. Cette étape consiste à concasser, de plus écraser les fèves de cacao séchées pour obtenir une pâte qui sera ensuite mélangée à du sucre. Après le concassage, nous passons directement au bain-marie. C'est à la phase de bain-marie que déjà la première partie se joue. Nous mélangeons la poudre de cacao avec du sucre. Et maintenant, on veut passer à la phase de tempérage. Kaja, pousse-toi un peu. Le tempérage consiste à faire descendre la température du chocolat. Parce que quand il quitte au bain-marie, il est à environ 50 degrés. Donc, il faut faire descendre la température de ce chocolat-là avant de l'emmouler. Nous avons déjà du chocolat emmoulé que nous allons emballer pour le mettre au frais. Maintenant, pour que ce chocolat durcisse, on va le laisser au frais 30 à 45 minutes. Voici le moment de sortir le chocolat du frais. Les chocolats de petit format emballés et les chocolats de grand format. Puis vint le tour du groupe de fabrication de cocktails. Avec eux également, les procédures sont précises. Ici, nous avons la première étape qui consiste à stériliser les bouteilles. La stérilisation des bouteilles est une pratique qui consiste à éliminer tout ce qui est microbe au sein des bouteilles. Nous avons aussi la stérilisation des capsules, qui est l'une des phases les plus importantes. Ensuite, nous avons le jus. Ici, nous avons du gingembre qui est déjà broyé et mélangé avec de la menthe. Ensuite, nous allons ajouter du curcuma au duo. Nous allons faire passer ce jus-là dans une autre étape. Ici, le jus est en train d'être filtré à l'aide d'un tamiseur. Cette partie est l'une des plus importantes de notre transformation. Nous remplissons notre bouteille avec du jus à l'aide d'un entonnoir. Ensuite, nous allons passer au capsulage des bouteilles. Le capsulage des bouteilles consiste à fermer les bouteilles à l'aide d'un encapsuleur. Après avoir fermé les bouteilles, le jus et les bouteilles, en plus des capsules, sont remis au bain-marie afin de chauffer le tout avant de les remettre dans de l'eau froide. Cette étape-là est aussi importante dans la conservation de notre jus. Voici le produit de tout ce travail. Nous avons un cocktail à base de gingembre, curcuma et de menthe. La bouteille est vendue sur le marché au prix de 500 francs. Le fait d'être entrepreneur depuis l'école déjà est une garantie. C'est déjà une belle base pour tout élève, car beaucoup de personnes n'ont pas eu la chance d'apprendre à faire du jus à l'école. Même l'élevage des lapins, la cuniculture, est développée dans cet établissement. Pour bon nombre d'élèves, ces activités entrepreneuriales représentent déjà une forme d'insertion socio-professionnelle encourageante pour l'avenir. Certains lancent des messages à leurs camarades encore hésitants. Aux élèves qui aimeraient participer aux différentes activités entrepreneuriales de leurs écoles, je vous encourage à le faire. Parce que l'entrepreneuriat ne nous empêche pas d'aller correctement à l'école. C'est juste que certaines personnes vous diront que si vous faites l'entrepreneuriat, vous devez laisser l'école ou bien vous devez laisser l'école pour vous concentrer
sur votre projet. Mais je vous assure que moi, en tant qu'entrepreneur au niveau de mon lycée, je n'ai pas abandonné mon école. Le Forum de l'éducation entrepreneuriale tire sa légitimité de la volonté de montrer à la communauté éducative, à la population et aux partenaires de l'école ivoirienne le résultat des travaux et projets portés à maturité par les élèves de Côte d'Ivoire. On en veut pour preuve la cinquantaine de projets proposés par les élèves lors de cette première édition du Forum entrepreneurial. L'éducation à l'entrepreneuriat est aujourd'hui une réalité bien ancrée dans l'école ivoirienne. Et pour les événements qui ont meublé notre ministère dans ce mois de janvier, quatre activités majeures ont retenu notre attention. Une autre bonne nouvelle pour le sous-secteur éducation. En effet, lors de son adresse à la nation pour le nouvel an, le président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, a annoncé que dans le cadre du programme social du gouvernement sur la période 2019-2020, il sera procédé au recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants contractuels du primaire et du secondaire et à l'équipement des écoles avec plus de 500 000 tables-bancs. Un partenariat existe désormais entre le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et l'université de Harvard. En effet, faisant suite au programme ministériel de Harvard, auquel Madame la ministre Kandia Camara avait pris part, trois étudiants de la célèbre université de Harvard ont séjourné du 7 au 19 janvier sur le sol ivoirien. Durant leur séjour, ils ont pu, dans le cadre de leurs recherches, visiter des structures scolaires à Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro et Grand Bassam. Et au terme de la mission, une séance de restitution de la mission a eu lieu le jeudi 18 janvier en présence de Madame le ministre. Les états généraux de la jeunesse se sont déroulés du 9 au 11 janvier 2019 autour du thème « La jeunesse ivoirienne au centre du nouveau pacte social ». Ainsi, le jeudi 10 janvier, dans le cadre du panel ministériel, Madame le ministre Kandia Camara y a animé un panel sur la thématique « Quelle formation pour une insertion durable des jeunes dans des emplois décents ?» La première responsable de l'école ivoirienne en a profité pour présenter à la jeunesse tous les moyens déployés par son ministère, une employabilité rapide et décente des jeunes. Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, sous vos ovations. Madame le ministre Kandia Camara a présenté ses vœux aux organisations syndicales du MENET FP. L'amphithéâtre du CNMS a servi de cadre le jeudi 17 janvier 2019 à une rencontre entre Madame le ministre Kandia Camara et les partenaires sociaux de son ministère. Après avoir présenté ses vœux de nouvel an aux représentants des associations syndicales présentes, Madame le ministre est revenue sur les mesures sociales annoncées par le président de la République le 31 décembre 2018 pour ce qui concerne l'éducation en y apportant plus de détails sur le sujet du recrutement des 10 300 enseignants. Le programme d'enseignement ciblé en abrégé PEC est une nouvelle approche d'apprentissage qui a pour objectif une plus grande maîtrise des compétences de base en lecture et en mathématiques par les élèves du primaire. Une à deux heures par jour, les enfants sont rassemblés par niveau, quelle que soit la classe qu'ils fréquentent. Les groupes ainsi constitués sont homogènes et l'enseignement adapté. Le niveau de l'enfant est régulièrement réévalué afin toujours de l'intégrer dans le groupe qui lui correspond. Bébé! 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 La lecture et les mathématiques constituent des compétences fondamentales dont la maîtrise impacte de façon positive la trajectoire scolaire des élèves et plus tard leur vie professionnelle. Le programme d'enseignement ciblé PEC, particulièrement efficace pour les élèves de classe de CE1 au CM2, est une méthode d'apprentissage conçue pour aider les élèves à maîtriser ses compétences de base. En Côte d'Ivoire, le projet, conçu avec l'appui des partenaires, a débuté avec 50 écoles pilotes dans les zones cacaoyères de Gabiadji et Mehagi. Nous nous sommes rendus dans l'une de ces écoles pilotes, à savoir l'EPP Sokora, située à 12 km de Mehagi, chef-lieu de la circonscription. À l'EPP Sokora, c'est la classe de CE2 du maître Ouattara Siandou qui nous accueille. Le test, ça nous parle de qui? Le test qui est devant vous? Oui, Vincent. Le test nous parle de Fali. Fali a quoi ici? Oui. Fali a une carie dentaire. On doit faire quoi pour éviter les caries? Oui. On doit se brosser les dents. Qui est en train d'examiner Fali? Comment on appelle ce monsieur-là? Comment on appelle ce monsieur? On regarde bien ce monsieur. Oui. Oui, c'est un médecin. C'est un médecin.
À l'hôpital, quand on voit, il y a une blouse, c'est un médecin. Mais comment on l'appelle encore, ce médecin-là? Comment on l'appelle encore? Oui? Un dentiste. Après une heure de cours, il va procéder à l'appel et à l'installation des groupes et selon les différents niveaux. National A, la voie nationale B, chez le directeur. Chez le directeur. Il faut savoir que pour constituer les différents groupes de niveau, il est procédé à une évaluation du niveau de connaissance des enfants à l'aide des tests simples de 2 à 3 minutes et administrés oralement. C'est alors que des groupes de niveau sont constitués en fonction des résultats de chaque enfant. Voilà donc le maître et ses élèves réunis dans un endroit peu ordinaire avec des outils didactiques bien spécifiques. Il nous en dit plus sur le contexte avec des outils. Avant de passer à toute activité, PEC, il faut commencer d'abord par le tableau des noms. Donc, il va commencer les élèves par le tableau des nombres. Voilà. Donc, suivez. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28, 29, 30. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Qui va venir faire comme le maître? Oui, Joël. Vous suivez. Zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. On comprend dès lors que le programme PEC, un type d'enseignement entièrement tourné vers l'enfant, suivant son rythme avec des cours interactifs et progressifs. C'est pour le petit Joël qui affirme savoir lire maintenant avec le programme PEC. Avant, je ne sais pas compter. Maintenant, je suis venu sur le maître, je sais compter maintenant. Quant à la petite Aminata, elle affirme savoir mieux lire et compter maintenant. Ici, on apprend les mathématiques et je comprends bien. Je suis contente. Ici, je travaille avec les élèves du niveau 1 qui concernent les élèves de CE1, CE2, CM2. Et par rapport à ce niveau, nous avons un effectif au moins de 114 élèves. Donc nous avons divisé en deux groupes. Mon collègue qui prend un groupe, moi je prends un autre groupe. Et moi, le groupe qui est actuellement, le groupe se nomme le groupe Choco B. Le niveau commence à s'améliorer. Bah, il y a des élèves qui ont quitté mon niveau pour aller au niveau 2. Il faut dire que les cours PEC même prennent en compte les classes de CE1, CE2 et CM1. Après le test AZE, maintenant, on va les regrouper en classe PEC. Voilà. Bon, ici, chez nous, à l'école, à Soukoura, ici, comme nous avons un grand effectif comme en débutant lettres, donc nous avons pris deux facilitateurs qui s'occupent de ces enfants-là, qui sont en débutant lettres. Voilà, et un autre facilitateur maintenant qui s'occupe des mots et paragraphes et histoire. Les cours donnés dans le cadre de ce programme d'enseignement ciblé se font par des groupes de niveau. Nous trouvons un autre groupe de niveau qui, eux aussi, sont cette fois dans une classe ordinaire, mais avec un tout autre type d'enseignement. Ce sont les élèves du groupe du niveau 1, assis à même le sol, en compagnie du maître Kouassi Félix. Ici, le niveau est un peu plus élevé, et donc le contenu pédagogique est un peu plus corsé. Écoutez très bien. Quand je vais lire, vous pointez le doigt sur les mots, et vous me suivez. Ne répétez pas après moi, hein. Vous me suivez seulement. C'est bien compris? Oui, monsieur. Mon père élève les poules. Il leur donne du maïs. Le vendredi est jour de marché. Mon père vend 10 poules. Et c'est bien compris? Oui, monsieur. Comment j'ai lu? Pour l'encadreur, l'on note une nette amélioration sur les niveaux des élèves. Les enfants qui ne savaient pas lire même au départ, aujourd'hui là, je suis plus à l'aise quand j'ai fait le coup même. Parce que je sens que non, il y a une amélioration au niveau de la lecture chez les enfants. Il y a une amélioration même. Au départ, les enfants ne savaient rien. Je suis content de venir ici parce que ici, on est venu apprendre à lire. Et la méthode AMEME permet à certains d'évaluer encore plus vite dans leur cursus scolaire. C'est le cas pour l'élève Kouadio Annick en classe de CM1 qui est passé du niveau 1 au niveau 2. Il raconte son expérience. Avant de venir ici, j'étais au niveau 1. Maintenant, je suis au niveau 2 parce que ça va aller un peu.
L'utilité du programme PEC est même ressentie jusqu'au niveau des parents d'élèves qui eux aussi constatent la nette progression de leurs enfants. Les enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école grâce à ICI, actuellement vraiment ils peuvent lire et écrire. Donc nous sommes très contents. Notons que le programme d'éducation ciblée est une approche pédagogique complémentaire de l'enseignement classique que reçoivent les enfants du primaire. Le programme privilégie les activités interactives et ludiques facilitant la maîtrise des compétences fondamentales en lecture, en écriture et en mathématiques. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro de l'année 2019 de votre émission Ma Nouvelle École. Merci de nous rester fidèles et rendez-vous sur notre page Facebook Ma Nouvelle École. Rendez-vous tous les derniers dimanches du mois pour une nouvelle émission. Mais encore, bonne année à tous.